عسلامتكم حصتنا اليوم باش تكون البورت سور لا جيستيون نقدم لكم روحي انا معز بالخوجة استاذ تصرف في منوبه والحصه نتاع اليوم باش تكون سور لا ديريكسيون دو مدام لانسبيكتريس جينيرال مدام جليله حداد رابلي كو دون بروميير سيونس فو زافي اسيستي على جيستيون كونتابل دي ستوك سيتادير ليفالواسيون دي سورتي دي ستوك اي دو ستوك فينال Dans une deuxième séance, on a traité, vous avez assisté également à la notion de rotation des stocks. Et la séance précédente, la troisième séance, était réservée à l'identification des différents niveaux des stocks et leur utilité. Dans ce sens-là, on va continuer à traiter ensemble le, euh, la dernière, si vous voulez, section et la dernière partie du chapitre, à savoir la gestion économique des stocks. Euh, si vous voulez, ou bien la gestion prévisionnelle. Je préfère gestion économique. Vous savez que l'objectif de toute entreprise étant de maximiser ses bénéfices. Et bien évidemment, la maximisation des bénéfices euh, entraîne nécessairement la minimisation des coûts. Et entre autres, comment peut-on minimiser le coût total d'approvisionnement C'est pourquoi on parle de gestion économique de stock. Dans un premier temps, on va euh, commencer par euh, citer, si vous voulez, euh, les, euh, les, les, objectifs de notre, les objectifs de notre séance. Donc. Euh, la séance, euh, les objectifs de la séance d'aujourd'hui sont les suivants. On va déterminer, dans un premier temps, le nombre optimal de commandes. Par la suite, on va déterminer la quantité optimale par commande, optimale c'est-à-dire idéale, qui minimise le coût total d'appro. Et dans un, euh, deuxième, dans un troisième temps, on va essayer de euh, passer à la optimisation, à l'optimisation du coût total d'approvisionnement. Donc, on va éclaircir certains concepts euh, euh, de la gestion économique des stocks. Donc, le premier concept qu'on va euh, voir ensemble et qu'on va définir ensemble, c'est la notion du coût total d'approvisionnement. Vous voyez bien que le coût total d'approvisionnement est composé du coût total de passation et du coût total de possession. Donc, qu'est-ce qu'on entend par coût total de passation ou coût total de lancement donc, euh, avant de passer, il faut euh, faire attention entre, et faire la différence entre le coût total d'approvisionnement et le coût global d'approvisionnement. Le coût global d'approvisionnement, c'est le coût total d'approvisionnement plus le coût d'achat. Donc, qu'est-ce qu'on entend par coût total de passation ou, si vous voulez, coût euh, total de lancement vous savez que le lancement d'une commande nécessite des frais. Donc l'entreprise sera amenée à supporter des frais pour pouvoir lancer, pour pouvoir passer euh, sa commande. On peut citer à titre d'exemple les frais de correspondance avec le fournisseur, les frais de communication, les frais de déplacement et euh, les frais générés par la négociation. Donc c'est écrit euh, sur l'écran que le coût total de lancement peut, peut être calculé en multipliant petit p, c'est le coût de passation d'une seule commande, fois le nombre de commandes euh, par an. Donc, rappelez-vous que le coût total de passation, c'est une droite qui passe par l'origine, et par euh, la suite, on va vous montrer comment tracer cette, euh, cette fonction ou cette euh, courbe du coût total de, passa, de passation. Une fois on a euh, défini et on fo une fois on a saisi la notion du coût total de possession, on va passer au coût euh, total de possession. Donc le coût total de possession, donc... Euh, ce sont le, le, le coût total, l'expression possession. Ça provient du verbe posséder. Lorsque vous possédez un stock, vous devez le protéger. Donc tous les frais supportés par l'entreprise pour conserver son stock, tels que le loyer de l'entrepôt de stockage, donc euh, l'électricité, les, les salaires des magasiniers, euh, encore les frais de gardiennage et d'assurance. Pour calculer le coût total de possession CP, CP le coût total de possession, on va utiliser cette formule, grand Q c'est la consommation annuelle en quantité fois le coût d'achat unitaire CU fois le taux du coût de, possé de possession et je, je divise euh, par 2N, N étant le nombre euh, de, co de commandes. Donc le coût total de possession peut-être on va le tracer en utilisant la courbe suivante, donc cette représentation graphique du coût de possé de possession. Donc, rappelez-vous que le coût total d'approvisionnement est composé et constitué du coût total de passation et du coût total de possession. Donc, on a défini dans un premier temps le coût total de passation et le coût total de possession. Donc, si on fait la somme, on trouvera le coût total d'approvisionnement. Avant de passer au coût total de, de coût total d'approvisionnement, on va vous rappeler que ce coût total de possession peut être exprimé sous deux formes, soit en utilisant un pourcentage ou en dinar ou par dinar de stock. On va appliquer sur le stock moyen en valeur un pourcentage petit i. Donc le stock moyen en valeur fois petit i fois le taux du coût de possession, ce qui nous donne le coût total de possession. Donc euh, vous voyez bien que le stock moyen en valeur, c'est égal à euh, grand Q fois Cu, donc euh, divisé par 2n fois i, ou tout simplement en faisant la, le rapport entre la consommation annuelle en valeur divisé par 2n, n étant le nombre de commandes, fois petit i le tout du coût de possession. Donc vous voyez bien que le stock moyen en valeur est égal à grand Q fois Cu divisé par 2N, ce n'est que grand C, la valeur de la consommation annuelle divisé par 2N et multiplié par petit petit i. Encore une fois, je vous rappelle, vous voyez que euh, Grand Q fois CU, c'est la valeur de la consommation annu, annuelle. Donc, vous avez bien saisi qu'on a utilisé pour calculer le coût total de possession, on a utilisé un taux, on, on exprimé en, pourcent, en pourcentage. La deuxième façon euh, euh, pour calculer le coût de possession, on peut utiliser aussi le coût d'un article stocké, le coût de possession d'une unité d'une unité stockée. Donc par unité stockée, dans ce cas-là, on va appliquer sur le stock moyen en quantité, CUP, c'est le coût unitaire de possession. C'est le coût de possession d'une unité d'un article euh, stocké. Donc vous voyez euh, sur l'écran que le stock moyen en quantité c'est grand Q divisé par deux N. Grand Q, c'est la consommation annuelle en quantité fois le coût unitaire de, possé de possession. Finalement, une fois qu'on a calculé le coût de passation, le coût total de passation et le coût total de possession, on va faire la somme des deux et pour trouver le coût total d'approvisionnement. Donc pour mieux voir les choses, on va passer à une application euh, chiffrée qui illustrent ces concepts. Donc, euh, avant l'application chiffrée, c'est plutôt, on va visualiser sur le graphique le coût total d'approvisionnement. Le graphique suivant ou la courbe suivante, ça, ça va nous donner l'allure euh, de la courbe du coût total d'approvisionnement. Le coût total d'approvisionnement atteint sa valeur minimale, sa valeur la plus faible, lorsqu'on atteint le nombre optimal de commandes le nombre optimal de commandes ou encore cadence optimale d'approvisionnement la question qui se pose combien faut-il lancer de commandes par an combien faut-il tout simplement acheter par an si on désire minimiser le coût total d'approvisionnement donc vous voyez que lorsque la courbe du coût total atteint sa valeur la plus faible on est alors au nombre optimal de commandes euh, noté n étoile donc, le coût total le plus faible lorsque on est euh, euh, au nombre optimal noté N, N étoiles. Donc, euh, prenons l'application chiffrée suivante. Lustra est une entreprise spécialisée dans la commercialisation des articles de décoration. Elle commercialise, entre autres, des abat-jours. Donc, la question qui se pose... Comment peut-on déterminer ce nombre optimal de commandes qui va minimiser le coût total d'appro? Donc la consommation annuelle de cette entreprise en quantité 4800 à bas jour par an. Le coût d'achat d'un article, le coût d'achat est de 50 dinars. Le coût de lancement d'une commande petit p... Les frais, c'est-à-dire nécessaires pour pouvoir passer une commande, euh, sont de l'ordre de 500 dinars par commande et le taux du coût de possession est de 3,75%. Rappelez-vous, c'est un pourcentage. Donc, ce pourcentage sera appliqué ce, sur le, la valeur du stock moyen. Donc, euh, on pense... On va réfléchir ensemble. Comment peut-on déterminer ce nombre optimal de commandes Comment peut-on procéder pour déterminer euh, ce nombre Donc, en effet, il existe trois façons pour déterminer le nombre optimal de commandes. La première méthode ou la première façon, on va établir un tableau de variation du coût total d'approvisionnement en fonction du nombre de commandes. Dans une deuxième méthode, si vous voulez, on va déterminer ce nombre optimal de commandes en utilisant une visualisation graphique, en faisant le traçage des trois courbes. Dans, un deuxième, dans une euh, te, troisième formule, donc on peut utiliser la formule dite la formule de Wilson en appliquant le modèle de Wilson. On va commencer par l'élaboration du tableau de variation du coût total d'approvisionnement. Vous voyez bien que le tableau comporte le nombre de commandes à lancer par an, la quantité par commande, le stock moyen en quantité, le stock moyen en valeur, le coût total de possession, petit p, ça revient à posséder, possession, le coût total de passation, je dis bien le coût total de passation, donc de lancement. C'est pourquoi, euh, pour euh, visualiser, on a écrit C indice L. Donc le coût total de passation et le coût total d'approvisionnement, c'est la somme entre les deux coûts, à savoir le coût de possession et le coût de passation. Donc on va voir l'effet de la variation du nombre de commandes sur ces différents coûts pour aboutir finalement, pour déterminer le nombre optimal de, co de commandes. Rappelez-vous que la consommation annuelle est de 4800 à bas jour. Lorsque on lance... Une commande, on va commencer par calculer, par calculer la quantité à commander ou la quantité à acheter lorsque on, achète une, on lance une seule commande. Donc 4800, la consommation annuelle divisée par 1. 1, c'est le nombre de commandes. Une commande. Si on lance deux commandes, dans ce cas-là, on va diviser la consommation annuelle en quantité par 2, 2 désigne le nombre de, co de commandes et ainsi de suite lorsque on lance 3 commandes on divise par 3 et ainsi de suite. Donc une fois calculée la quantité achetée par commande, on va calculer le stock moyen en quantité. Donc c'est la consommation annuelle en quantité divisée par 2 fois N. N c'est le nombre de commandes. Donc lorsque on lance une commande donc, on va diviser grand Q, 4800, divisé par 2 fois 1. 1 c'est le nombre de commandes. Lorsqu'on lance deux commandes, on va diviser 4800, 2 sur 2 fois 2. 2 c'est le nombre de, co de commandes. Donc, c'est le stock moyen. On est en train de calculer le stock moyen en quantité, en divisant la consommation annuelle par 2 fois n. Donc, il en est de même pour, pour trois commandes et pour quatre commandes et pour la suite. On va calculer dans un troisième temps le stock moyen en valeur. Vous voyez, on a déterminé le stock moyen en quantité et on va passer au stock moyen en valeur. On va appliquer le coût d'achat unitaire 50 dinars fois la quantité qui existe en moyenne en stock, c'est-à-dire fois le stock moyen en quantité. Donc 2400, c'est le stock moyen en quantité, fois 50 dinars, fois euh, 1200 unités, 1200 abat-jour, fois 50 dinars. Donc en appliquant 50 dinars chaque fois sur le stock moyen en quantité, il en est de même pour les autres valeurs. Une fois, on a déterminé le stock moyen en valeur. On va appliquer ce taux, le taux du coût de possession petit i. On va appliquer ce taux fois le, le, le stock moyen en valeur. Donc, lorsque on lance une commande, l'entreprise va supporter euh, un taux de 3,75% fois 120 000 dinars. Donc, l'entreprise va supporter 4 500 dinars pour conserver son stock lorsque son stock moyen lorsqu'elle lance une commande. Par la suite, on va multiplier 60 000 dinars, c'est le stock moyen en valeur, lorsque on lance deux commandes par an, fois 3,75%. Donc, lorsque on lance deux commandes par an, l'entreprise doit supporter 2250 dinars euh, pour conserver son stock moyen. Il en est ainsi pour les autres. Commande. Donc, une fois calculé le coût de possession, on va calculer le coût total de passation ou de lancement. Rappelez-vous que pour passer une commande, l'entreprise va devoir supporter 500 dinars pour passer une seule commande. Donc, pour passer la première commande, petit p, c'est 500 dinars, 1 c'est le nombre de commandes. Donc, et en lançant une commande, on supporte 500 dinars. Si on lance deux commandes, on va supporter 500 dinars x 2. 1000 dinars. Si on lance trois commandes, on va supporter 3 fois 500, ça fait 1500 dinars. C'est le coût de passation euh, euh, qui varie en fonction du nombre de, co de commandes. Euh, une fois calculé le coût de possession et le coût de passation, on va faire la somme pour trouver le coût total d'approvisionnement. Euh, donc on fait la somme entre coût de passation et coût de possession. Donc 4500 plus 500 lorsqu'on lance une commande, donc l'entreprise va devoir supporter 5000 dinars. Lorsqu'on lance deux commandes, on va supporter... 3250 dinars, c'est la somme entre le coût de possession 2250 de et 1000 dinars. Lorsque on lance trois commandes, on va supporter 3000 dinars toujours la somme entre le coût de possession et le coût de passation. Et ainsi de suite. Vous voyez bien que lorsque on lance trois commandes, le coût total d'approvisionnement atteint sa valeur la plus faible. C'est d'ailleurs notre objectif. Rappelez-vous que l'objectif de ce tableau est de déterminer le nombre optimal de commandes. Combien faut-il lancer de commandes par an pour minimiser ce coût total d'appro. Donc, vous voyez bien que le coût total d'approvisionnement le plus faible est de 3 000 dinars. Il correspond au nombre de trois commandes, c'est-à-dire en lançant trois commandes on minimise le coût total d'approvisionnement. Vous remarquez bien lorsqu'on est au coût total le plus faible, lorsqu'on est au nombre optimal de commandes, le coût de passation est égal au coût de passation. Le coût de passation est égal au coût de possession. Donc le nombre optimal de commandes, c'est bien est égal à, il correspond à L3. Trois fois par an, il faut lancer euh, les commandes pour minimiser le coût total d'approvisionnement. Donc, on a utilisé ce tableau pour déterminer le nombre optimal de, co de commandes. Je veux vous euh, rappeler que le coût de possession peut être calculé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit en appliquant un pourcentage, sur, euh, multiplié par le stock moyen en valeur ou tout simplement en utilisant le coût de possession d'un de article stocké. Vous voyez bien que le coût de possession, on va vous donner ce coût, que le coût de possession d'un article stocké est égal à un dinar 875 ml. Mm pour protéger son stock, pour protéger un article stocké, l'entreprise va devoir supporter... 1 dinar 875. Donc, on va appliquer le coût de possession d'un article stocké sur, cette fois-ci, fois le stock moyen en quantité. Donc, on va appliquer 1 dinar 875 fois le stock moyen en quantité. Donc, CUP, c'est le coût unitaire de possession. Donc, lorsqu'on lance deux commandes, le stock moyen en quantité c'est 1200 abat-jour pour conserver un abat-jour on doit supporter un dinar 875 donc 1200 abat-jour fois, fois un 1 dinar 875 et il en est de même pour le reste euh, vous voyez bien que lorsque on lance trois commandes euh, le coût total euh, d'approvisionnement atteint sa valeur la plus faible et que le coût de possession est égal au coût de passation uniquement lorsqu'on est au nombre optimal de commandes. C'est la première méthode pour déterminer le, le nombre optimal de, co de commandes. Donc, euh, on va passer cette fois à la représentation graphique, c'est-à-dire on va essayer de déterminer ce nombre optimal de commandes en utilisant euh, la représentation graphique. Rappelez-vous qu'on a trois coûts trois coups à représenter. Donc, on va commencer par le coût total de passation. Rappelez-vous que pour lancer une commande, on doit supporter 500 dinars. Donc, une, vous voyez bien sur l'écran que c'est une droite qui passe par l'origine. Et pour tracer une droite, on aura besoin uniquement de deux points. On peut se contenter d'un seul, d'ailleurs. Dans le graphique, elle va passer par le point 00. Donc on peut euh, se contenter de tracer uniquement le point n égale à 1. Lorsque n égale à 1, le coût de passation 500. Vous voyez, on peut utiliser le point de 0, 0,0 et le deuxième point 1, une commande correspond lorsque l'entreprise lance une commande, elle va supporter 500 dinars. Pour n égale à K5, par exemple, le coût de passation est égal à. 2500. On va prendre euh, euh, la règle, donc vous prenez votre règle puisqu'il s'agit d'une droite et on va tracer la droite donc en utilisant la règle. C'est une droite qui passe par l'origine. C'est la droite du coût total de, passa, de passation. Donc on va continuer le traçage du coût total de possession. La deuxième fonction, la deuxième, le deuxième coût le coût total de possession, rappelez-vous la formule du coût de possession, grand Q, grand Q, c'est la consommation annuelle, 4800, CU en consommation annuelle, rappelez, euh, je dis bien consommation annuelle en quantité, fois le coût unitaire, le coût d'achat unitaire, fois le taux du coût de possession, 3,75%, divisé par 2N. Donc on va commencer à tracer cette courbe point par point. Lorsque n égale à 1, lorsqu'on lorsqu lance une seule commande, je remplace dans cette formule. 4800 fois 50 fois 00375 divisé par 2 fois 1, ça nous donne 4500. C'est le premier point. Le deuxième point, lorsqu'on lance deux commandes, n égale à 2, donc je remplace dans la formule. Vous trouvez, lorsque n égal à 2, le coût de possession est égal à 2250 dinars. Lorsque on lance trois commandes, et on remplace encore une fois dans la formule, 4800 x 50 x 0,0375 divisé par 2 x 3, ça fait euh, 1500. Lorsqu'on lance, si vous voulez, 5 euh, 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 commandes. Donc on lance deux commandes, on, lance, on cherche des points lorsqu'on lance trois commandes. On, lorsqu'on lance six commandes, hein, on va remplacer 4800 x 50 x 0, 0, 375 sur 2 x 6. Ça nous donne un coût de possession, vous voyez, 750 dinars. Et on va euh, relier tous ces points. Donc, vous voyez que le traçage de cette courbe du coût de possession, et celle du coût de passation, le point d'intersection de ces deux courbes correspond bien à n étoiles. On va continuer Donc, le traçage de la troisième courbe, à savoir le coût total, déjà calculé, le coût total d'approvisionnement. Lorsque n est égal à 1, 5000, le coût total d'approvisionnement. Lorsque n est égal à 2, le coût total, 3250. Lorsque n égale à 3, vous voyez sur le tableau, euh, 3000. Lorsque c'est le coût le plus faible d'ailleurs. Lorsque n égale à 6, c'est le coût total, c'est 3750. On va rejoindre, on va relier ces points pour obtenir l'allure de la courbe du coût total d'approvisionnement. Vous voyez bien que cette courbe du coût total d'approvisionnement atteint sa valeur la plus basse, atteint sa valeur la plus faible lorsqu'on est euh, au, à, au nombre optimal de commandes, à savoir n étoiles. Et vous voyez bien que lorsqu'on est au nombre optimal de commandes n étoiles égale à 3, le coût de passation et le coût de possession, c'est le point d'intersection de ces deux courbes. Et on trouve ainsi le nombre optimal de commandes graphiquement par l'intersection, soit par l'intersection des deux courbes, coût de pas et coût de possession, c'est le point d'intersection, soit en observant le graphique, c'est la valeur la plus faible de la courbe du coût total d'approvisionnement. Donc, euh, cette méthode nous permet de déterminer graphiquement le nombre de commandes euh, à l'aide d'utilisation du graphique. Donc, il nous reste à vous rappeler qu'on peut déterminer le nombre optimal de commandes. En utilisant le modèle de Wilson, en appliquant la formule dite la formule de Wilson. La formule de Wilson, rappelez-vous, est la suivante Un racine carrée de grand Q, la consommation annuelle en quantité, fois Cu, fois I, divisé par 2 fois P. P, c'est le coût de passation d'une commande. Donc, on va appliquer. 4800 fois 50 fois 0,0375 divisé par 2 fois 500. Donc, Arassi, donc, grand Q, 4800. Par la suite, 50 dinars, CE. Petit i, 3,75%. 3,75 divisé par 100, ça nous donne 0,0375. Divisé par 2 fois 500. 500 étant P, le coût de passation d'une commande. Donc on aura, calcul fait, tout calcul fait, 3 racines carrées de 9, normalement. 9 racines carrées de 9, c'est 3 commandes par, par an. On peut déterminer le nombre optimal de commandes en utilisant la formule de Wilson, mais cette fois-ci, on ne va pas appliquer un taux du coût de possession, mais on va utiliser le coût de possession d'un article stocké. Un article stocké... L'entreprise supporte un coût de possession de 1 dinar 875. La formule de Wilson va prendre cette forme. Donc, grand Q fois CUP, CUP c'est le coût unitaire de possession, divisé par 2 fois P. Donc, en appliquant 4800 étant la consommation annuelle en quantité, Fois un dinar, 875, c'est le coût de possession d'un article stocké, d'une <coughs> unité stockée, divisé par deux fois euh, P, deux fois PP étant le coût de lancement, de passation d'une seule commande. Donc, on va trouver la même chose. Donc, euh, si on, on applique cette formule, on trouvera trois commandes par an. Donc cette fois-ci en utilisant le coût d'un article stocké et non pas le coût de possession exprimé en pourcentage. Rappelez-vous que le coût de possession, on peut vous donner un coût de possession par dinar de stock moyen. Par exemple, un stock de 40 dinars pour un stock de 40 dinars, l'entreprise supporte un coût de possession de 1 dinar 500. Donc 1 dinar 500 c'est le coût de possession, de 40 dinars de stock. Donc, ça revient à déterminer, il convient de déterminer le coût de possession de 1 dinar de stock. Donc, on va appliquer tout simplement, on va déterminer le coût de stockage de 1 dinar de stock moyen. On va faire 1 dinar 500 divisé par 40 et on aboutira finalement à 0,0375. C'est le coût de possession de 1 dinar de stock moyen. Donc, euh, on a vu ensemble comment on détermine le nombre optimal de commandes de, euh, 300, de trois façons différentes, soit en utilisant le tableau de variation du coût total d'approvisionnement en fonction du nombre de commandes, soit à partir d'une représentation graphique, soit à partir de la formule dite de Wilson. Donc, euh, une fois qu'on a appliqué cette formule, on va trouver tout simplement le même nombre optimal de commandes à savoir trois euh, commandes par an. c'est le nombre optimal de commandes ou si vous voulez c'est la cadence optimale d'approvisionnement. donc on va passer pour l'instant à une application variée qui va regrouper les plusieurs concepts à la fois. donc euh, l'application, on va utiliser une application euh, graphique, on va exploiter un graphique. Ce graphique visualise le responsable d'approvisionnement, vous présente le schéma ci-dessous, illustrant la politique actuelle d'approvisionnement de l'entreprise afin de concevoir une gestion économique des stocks de fournitures. Donc, lorsqu'on vous donne un graphique, essayez de lire ce graphique et de dégager les informations disponibles sur euh, ce graphique. Donc, prenez votre temps pour saisir les chiffres, le les, 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 les libellé de ce graphique. Donc, vous voyez bien, c'est une courbe de la consommation. Ce graphique, sur ce graphique, on peut lire le stock maximum. On peut lire également le stock de sécurité. On peut visualiser le stock d'alerte. La date de passation de la commande, le 2 janvier, la date de réception de la commande. Elle n'est pas encore déterminée. Donc, prenez votre temps pour bien saisir les informations et dégager les informations nécessaires euh, du graphique pour pa pouvoir par la suite répondre aisément aux questions. Donc, on va passer aux informations de l'exercice, la consommation est régulière tout au long de l'année, une année vous, vous, je vous rappelle qu'une année commerciale comporte 360 jours, que le coût d'achat unitaire est égal à euh, 750 000 limes, 0 dinars 750 000 limes. les frais de déclenchement relatifs à une commande s'élèvent à 41 dinars 310, c'est-à-dire les frais de passation nécessaires à pour lancer une seule commande. Le coût total de possession va prendre l'expression suivante, s'exprime de la façon suivante, 4131 divisé par n. Donc le travail à faire, calculé dans un premier temps, calculé pour la politique actuelle d'approvisionnement, on va calculer le stock minimum, la consommation journalière et le délai de livraison convenu avec le fournisseur. Tout cela à partir du graphique. Montrez dans, un dans une deuxième question, montrez que le délai de réapprovisionnement est égal à 30 jours, puis déduisez la cadence actuelle d'approvisionnement. Cadence actuelle, c'est-à-dire le nombre actuel de commandes. La politique, troisième question, la politique actuelle d'approvisionnement est-elle optimale Montrez, quatrième question, montrez sans faire de calcul. Que le nombre de commandes actuelles dépasse le nombre de commandes opti optimales. Donc, la cinquième question, prouver, c'est-à-dire montrer que la cadence optimale d'approvisionnement est égale à 10 commandes par an et calculer le coût total d'approvisionnement. Sixième et dernière, je pense, question, le fournisseur habituel nous propose une remise de 5 mais à condition de passer des commandes supérieures ou égales à 30 600 unités par commande. Dans ce cas, le coût de possession s'exprime de la façon suivante P, -P est égal à 3924 dinars 450 000 limes divisé par n. Déterminer le nombre de commandes qui permet à l'entreprise de profiter de la proposition du fournisseur, c'est-à-dire combien faut-il lancer de commandes si on désire obtenir la remise proposée par le fournisseur. Calculez le montant de la remise et finalement, sachant que le coût total d'approvisionnement en appliquant le modèle de Wilson est égal à 826 dinars de 100 millimes, dites si l'entreprise doit accepter la proposition du fournisseur. On va commencer. À répondre à la première question, à savoir euh, euh, le stock minimum tout en exploitant le graphique. Je vous rappelle que le stock minimum, c'est la consommation pendant le délai habituel de livraison. C'est la quantité à consommer entre le jour du lancement de la commande et la date de réception de la commande. Donc, euh, la consommation pendant le délai de livraison. Vous voyez bien sûr... Le graphique, la courbe de la consommation. Donc, la quantité qui sera consommée entre la date de lancement et la date de réception correspond au stock minimum. Le stock minimum, c'est le stock d'alerte moins le stock de sécurité. Donc, vous voyez bien la consommation. La quantité qui sera consommée entre ces deux dates correspond au stock minimum. C'est le stock d'alerte. Le stock d'alerte, vous voyez bien sur l'écran, s'élève à... 8160, c'est le stock d'alerte, duquel on va retrancher le stock de sécurité et on aura un stock minimum de 5610 unités. Donc, 5610 unités correspond à la consommation pendant le délai de livraison, entre la date de lancement et la date de, ré, de réception. Donc, c'était la première question le stock minimum. Euh, par la suite, il vous demande de calculer la consommation journalière. Donc, tout en exploitant bien sûr le graphique. Vous voyez bien sur le graphique que le 1er janvier, l'entreprise dispose d'un stock initial. Le 1er janvier, un stock initial de 17 850. C'est le stock au début, le 1er janvier. Donc, le 20 janvier. L'entreprise dispose de 8160 unités. C'est le stock d'alerte. Donc, on cherche à connaître combien d'unités on, on a consommé entre le premier du mois et le 20 du mois. On va utiliser notre calculatrice. Du, 20, ou du premier au 20, c'est 19 jours. Pendant 19 jours, on a consommé combien d'unités on a consommé 9690 unités. Donc, 9690 unités ont été consommées pendant combien de jours Pendant 19 jours. Soit une consommation par jour, soit une consommation journalière de 510 unités. Vous voyez bien que toutes les informations ont été utilisées à partir, ont été euh, euh, extraites. Du, du, du graphique. Donc le graphique, c'est une source euh, importante d'information. Donc, le délai, on va déterminer cette fois-ci, petit c, le délai de livraison convenue avec le fournisseur. Sur le graphique, je vous rappelle que la consommation journalière est de 510 unités. Donc, la réception aura lieu au bout de combien de jours Donc, la... Le délai de livraison, c'est le stock minimum, minimum qu'on va diviser par la consommation journalière. 5610 seront consommés au bout de combien de jours Au bout de 11 jours, à partir bien sûr de la date de passation de la commande. Donc on peut, par simple lecture euh, du graphique, on peut dire que s'il n'y a pas de retard, 11 jours après le 20 janvier on recevra la première commande, c'est-à-dire le 31 janvier. Donc, vous voyez bien la consommation journalière, c'était 510, et le 20 janvier, on va passer la commande. 11 jours de consommation, c'est le délai habituel de, livrer, de livraison. Montrez que le délai de réapprovisionnement est égal à 30 jours puis déduisez la cadence actuelle d'approvisionnement. Donc, je vous rappelle que le délai de réapprovisionnement, c'est l'intervalle de temps qui sépare euh, deux réceptions, qui sépare deux euh, dates d'achat. La première réception et la deuxième réception. C'est le délai de réapprovisionnement. Donc, on va exploiter encore une fois notre graphique. Vous voyez sur le graphique que le 1er janvier. L'entreprise dispose comme stock initial 17 850 et que le stock de sécurité est de 2550 unités. On cherche à connaître au bout de combien de temps, au bout de combien de jours, l'entreprise va atteindre le stock de sécurité. 17 850 moins 2200, 2550 unités. C'est-à-dire 15 300 unités seront consommées au bout de combien de jours Rappelez-vous que la consommation journalière, euh, déjà déterminée tout à l'heure, était de 510 articles. Donc, on va tout simplement diviser 15 300 articles par 510, puisque 510 unités, c'est la consommation journalière. Donc, la réception aura lieu normalement dans 30 jours à partir du 1er janvier soit le 31 janvier. Donc rappelez-vous que la question était de déterminer le délai de réapprovisionnement, l'intervalle de temps séparant de réception. Donc le délai de réapprovisionnement entre le 1er et le 31. Donc le délai de réapprovisionnement correspond bien à 30 jours. Donc la, question, la suite de la question, c'est de déterminer la cadence actuelle, le nombre actuel de commandes. Donc, rappelez-vous que l'année commerciale est, comporte 360 jours. On va diviser 360 jours par 30, le délai de réapprovisionnement. Apparemment, le nombre actuel de commandes correspond à 12 commandes. L'entreprise lance une commande par mois, donc tous les 30, tous les 30 jours. Donc on va visualiser tout ça, la courbe de la consommation à l'aide d'un schéma. Donc la réception, la première réception, on a débuté l'année par une quantité, un stock qui correspond à 7850 et on va consommer, vous voyez ces créatures qui consomment, hein, on va continu, continuer la consommation jusqu'à l'atteinte du niveau d'alerte. Lorsqu'on atteint le niveau d'alerte, on lance la commande. Il nous reste un stock minimum à consommer avant d'avoir la réception. Donc une fois on a reçu, il va y avoir reconstitution du stock et on, on atteint encore une fois le stock maxi maximum. Donc le délai, vous voyez bien que le délai de réapprovisionnement, c'est l'intervalle séparant deux réceptions. Vous voyez la première réception, la deuxième réception. Donc, euh, la troisième question la politique actuelle d'approvisionnement est-elle optimale Rappelez-vous qu'actuellement, on lance 12 commandes. Il nous demande de dire est-ce que 12 commandes, c'est un nombre idéal Est-ce que 12 commandes, c'est un nombre optimal ou non donc, on va procéder ainsi. Vous savez que lorsque l'on est au nombre optimal, le coût de passation doit être égal au coût de possession. On va faire les calculs nécessaires et vérifier si bien ces deux coûts sont de même valeur. Donc, CL, coût de passation par commande 41, 41, 310 x 12, ça nous donne. 12, c'est le nombre de commandes déjà déterminées. Ça nous donne 495,720 ml. Mm. Donc, on va calculer euh, pour l'instant le coût de possession. Le coût de possession, il prend l'allure, la formule suivante. 4131 divisé par n, c'est une donnée de l'énoncé. On divise 4131 par le nombre de commandes 12. Donc, on trouve 344. Vous voyez bien que le coût de possession et le coût de possession... Sont de valeurs différentes. Donc, puisque le coût de passation est différent du coût de possession, donc la politique actuelle d'approvisionnement, 12 commandes ne, sont, ne correspond pas au nombre idéal, ne correspond pas au nombre optimal, vu que le coût de passation est différent du coût de, de possession. Donc, il s'est avéré que le nombre actuel de commandes n'est pas optimal. Montrez, on va montrer sans faire de calcul. Que le nombre de commandes actuelles, 12 commandes, dépasse, hein, dépasse euh, le nombre de commandes optimales en utilisant toujours le graphique. On va visualiser ça graphiquement et sans faire de calcul. Vous voyez sur l'écran les deux courbes qu'on a tracées tout à l'heure le coût de possession et la droite qui passe par l'origine, le coût de passation. Donc, le nombre optimal correspond au point d'intersection. Lorsqu'on est au point d'intersection des deux courbes, CL, coût de passation, coût total. Je dis bien coût total de passation égal au coût total de possession. Donc, lorsqu'on est à ce point, au niveau de ce point, les, euh, on est au niveau optimal. Lorsque le nombre optimal est Inférieur lorsque le nombre de commandes est inférieur au nombre optimal. Lorsqu'on n'a pas encore, si vous voulez, atteint le nombre optimal, on est encore avant le nombre optimal. Vous voyez bien sur le graphique que la droite du coût de passation est inférieure à la courbe du coût de possession. Donc, Lorsque le coût de possession est supérieur au coût total de passation, cela veut dire qu'on n'a pas encore atteint le nombre optimal. On est avant le nombre optimal. Par contre, la partie droite du graphique, lorsque la droite du coût total de passation est supérieure au coût total de possession, dans cette partie du graphique, on a dépassé le nombre optimal de, co de commandes. Donc, Rappelez-vous, lors des calculs déjà effectués, qu'en calculant ce coût total de passation, il s'est avéré que le coût total de passation est égal à 495 dinars 720 et bien supérieur à, au coût total de possession de 344 dinars. Donc vous voyez bien que le coût de passation est supérieur au coût de possession. Dans ce cas-là, regardez bien le graphique. Lorsque le coût de passation dépasse supérieur au coût de possession, c'est-à-dire que le nombre actuel de commandes dépasse et supérieur au nombre euh, optimal de, de commandes. On a bien répondu en utilisant tout simplement le, le graphique et sans faire de, de calcul. Donc, euh, la cinquième question prouver que la cadence optimale d'approvisionnement est égale à 10 commandes par an et calculer le coût total d'approvisionnement. Il nous demande de prouver, de montrer que n étoiles, que le nombre optimal de commandes est égal à, est égal à 10. Donc, rappelez-vous, l'égalité, lorsqu'on est au nombre optimal de commandes, les deux coûts, le coût total de passation, doit être égal au coût total de possession. On a déjà constaté euh, cette égalité lors de l'élaboration du tableau de variation. Et on a vu ça tout à l'heure euh, dans le graphique comme étant un point d'intersection. Donc, on va utiliser cette égalité pour dégager le nombre optimal de commandes. C'est L, le coût total de passation. Lorsqu'on lance une commande, on va supporter 41 dinars 310. Donc 41 dinars 310 fois n fois le nombre de commandes égale le coût de possession 4131 divisé par n. Donc on a donné l'expression du coût total de possession égale à l'expression du coût total de possession. On va faire le produit des moyens égal au produit des extrêmes. Donc 41 310 n multiplié par n. Qui est égal à 41,310 n au carré, qui est égal à 4131. Donc on va déterminer n au carré. n au carré égale 4131 divisé par 41,310. Si on détermine n, on va mettre au carré, n étoile, racine carrée de 4131 divisé par 41,310, c'est racine de 100, donc le nombre optimal de commandes correspond à 10 commandes par an et non pas 12 commandes. Donc, la dernière question, le fournisseur nous propose une remise, mais à condition, une remise de 5%, mais à condition d'acheter des quantités supérieures ou égales à 30 600 articles ou 30 600 unités. Dans ce cas-là, lorsqu'on lance, on, on achète des commandes Comportant 30 600 articles, le coût de possession va prendre la forme suivante, 3924,450 millimes divisé par N. On va déterminer le nouveau nombre de commandes qui permet à l'entreprise de profiter de la proposition du fournisseur. Combien faut-il lancer de commandes par an si on désire obtenir la remise proposée par le fournisseur. Donc, comment peut-on procéder La quantité par commande, rappelez-vous, c'est grand Q sur N, la quantité achetée par commande. C'est la consommation annuelle divisée par le nombre de commandes. Le nombre de commandes qui va nous permettre, nous, entreprises, de profiter de la proposition du fournisseur. Donc, N égale grand Q la consommation annuelle sur petit q. Donc, rappelez-vous que la consommation, unitaire, la consommation journalière est de 510 unités et que l'année commerciale comporte 360 jours. Donc, la consommation annuelle, c'est 510 unités fois 360 jours divisé par la quantité euh, à acheter par commande. Donc, après tout calcul fait, on trouve 6 commandes par an. Donc, si on veut profiter de la remise proposée par le gentil fournisseur, on doit lancer 6 commandes par an. Donc, on va continuer à calculer le montant de la remise proposée. Donc, le fournisseur nous propose une remise de 5%. La consommation journalière 510 unités par jour x 360 jours, la consommation annuelle 183 600 unités par an. Donc on va obtenir une remise si on lance 6 commandes par an. Donc dans ce cas-là, on peut calculer autrement la consommation annu annuelle. La remise proposée par le fournisseur, la quantité. Commander annuellement, la quantité achetée consommée annuellement 183 600 unités, fois le coût d'achat unitaire habituel 0,750, mais le fournisseur va nous proposer une remise, une remise de 5%. Donc on va profiter d'une remise de 5%. Cette remise est égale à 6 6885 dinars. Donc on a calculé dans un premier temps le nombre de commandes. Que, que le fournisseur exige pour profiter de cette remise. Par la suite, on a calculé le montant de la remise et sachant que le coût total d'approvisionnement en appliquant le modèle de Wilson est égal à 826 dinars de dites si l'entreprise doit accepter la proposition du fournisseur. On va passer euh, à la prise de décision. Doit-on accepter l'offre du fournisseur ou non Donc, on va. Rappelez-vous que le coût total d'approvisionnement est composé du coût total de passation et du coût total de possession. Lorsqu'on applique le modèle de Wilson, c'est-à-dire lorsque on lance 10 commandes par an, rappelez-vous que le nombre optimal de commandes était 10, lorsque on lance 10 commandes par an, on va supporter un coût total de 826 dinars 200. Lorsque... On va lancer uniquement 6 commandes, puisque le fournisseur ne nous accorde la remise qu'en qu achetant 6 fois par an. Donc, on va calculer le coût total avec, coût total avec remise. Donc, le coût total, rappelez-vous, le coût de passation d'une commande, c'est de 41 dinars 310, multiplié par 6, puisqu'on va lancer 6 commandes. donc 441 310 x 6, plus, c'est le coût de, total de possession, plus le coût total de possession. Le coût total de possession s'exprime de la façon so suivante. 3924,450 divisé par n, n étant le nombre de commandes 6. Donc, on va faire le calcul du coût total de possession. La somme nous donne le coût total d'approvisionnement. Avec remise. Lorsqu'on va profiter de la remise, on va lancer 6 commandes, qui, bien évidemment, 6 commandes n'est pas le nombre optimal. Le coût total d'approvisionnement est 901 dinars 935. Vous voyez bien qu'il y a une charge supplémentaire que l'entreprise elle va supporter une charge supplémentaire en lançant 6 commandes au lieu de 10, comme le, comme le stipulait le modèle de Wilson. Mais vous faites attention, même s'il si y a une charge supplémentaire, l'entreprise doit accepter pour la simple raison que la charge supplémentaire, les dépenses supplémentaires supportées par l'entreprise lorsqu'elle lance ses commandes sont de 75 dinars 735, mais vous faites attention que la remise obtenue, que l'entreprise va profiter d'une remise largement supérieure. À la dépense euh, supplément, supplémentaire. Donc, 75 dinars comme char supplémentaire, de l'autre côté, une, une remise importante de 6 ces 875. C'est pourquoi l'entreprise va profiter, va saisir cette opportunité, va accepter cette offre du fournisseur pour profiter d'une économie l'entreprise va économiser, en fin de compte, va réaliser une économie de 6809,265. La différence entre la remise qu'on a obtenue et les charges supplémentaires qu'on a euh, supportées, donc cette différence, c'est une économie réalisée par l'entreprise. Rappelez-vous, au début de la séance, je vous ai dit que cette section s'intitulait la gestion économique. Et donc, toute entreprise cherche à réaliser des économies pour pouvoir euh, maximiser ses, ses bénéfices. Donc, euh, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.